Ok, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tellement nombreux que je n'ai plus la force de publier vos visas. Je peux juste vous souhaiter mes félicitations, chers amis. Donc, beaucoup de courage à vous. Vous êtes tellement nombreux. Donc, je ne peux plus publier pour quelqu'un, publier pour l'autre. Deux fois trois, quatre par jour, deux fois quatre, deux fois cinq, deux fois un. Donc, vous êtes tellement nombreux, je ne peux plus publier. Donc, je vous souhaite juste mes félicitations. Voilà. Entre-temps, il y a une vidéo que je suis en train de monter. Ça concerne la procédure pour valider votre adresse. Je vais monter et je vais uploader ce soir. Sachez que la vidéo, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile quand on le fait. Donc, félicitations à vous. Je ne vais pas être long. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer. À partir du 15, je pense que j'aurai minimum une centaine de témoignages. OK? Donc, félicitations à vous, oui. Bonsoir, monsieur Boris Tientje. Bon après-midi, tonton. Merci. Bon après-midi aussi, monsieur Boris Tientje. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais faire une petite vidéo là après, maintenant, sur comment obtenir votre carte bancaire. Une fois lorsque vous êtes en Belgique. Voilà. Comment obtenir votre carte bancaire? Et. Ah, Martial, tu es déjà là. Il est déjà là. Martial Fongan, tu es déjà là. Attendez, je baisse le volume de félicitations là. Félicitations aussi à Derano, hein. J'ai fait un peu écouter sa joie. Je fais un peu écouter la joie de Derano. Félicitations à lui. Ce matin en sortant, je me suis dit, je vais porter mon habit blanc aujourd'hui. Le corbeau blanc avec lequel je suis sorti avec les gars de Nyoma et avec lequel je dansais jusqu'à Guylaine m'a dit, j'ai dansé, elle m'a dit, c'est de cette façon que tu vas danser quand tu vois le visage. Je lui ai dit oui. Oh là là, si vous pouvez ne pas m'appeler. Oui, et j'ai porté ce gant droit aujourd'hui. Donc je fais une petite vidéo dansant de tout de suite. Aïe, le goût de ça. Ça, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs échecs et après il a obtenu le visa. Ben, ça, c'est. Ils sont trois ou deux. Oui, trois ce matin. J'ai dit, je ne peux plus tout publier. C'est. Laissez. Ça va inonder. Ça va inonder la page inutilement. C'est le contenu qui est important. Bon, ça, c'est Derano. Je ne vais pas tout dire son nom. Il a eu son visa après deux ou trois échecs de Campus France. Oui, allô? Ah non, Donc, ça c'est l'entretien d'un Tchadien qui m'a consulté aujourd'hui là au Cameroun et voilà. Bon, je vous fais un peu écouter Derano et après je raccroche. Salut à toi, Ingo Manning. Voilà. Tonton Aristide, tonton Aristide. Je viens de recevoir le mail de VSF. Le père. Je viens de recevoir le mail de VSF. Je suis. Tonton Aristide, papa, merci. Aïe, après deux refus, qui aurait cru, qui aurait cru? Je suis en larmes, je suis en larmes. Non, je suis époustouflé. Après deux refus vers la France, aujourd'hui, je reçois le mail du VSF de venir récupérer mon passeport. Aïe, aïe, aïe. Aïe, je suis en larmes, je suis en larmes, je suis en joie, vraiment, je n'y croyais pas. Oh, vraiment, je suis. Oh, je ne sais même pas comment il va exprimer ça, les gars. Aïe. Ah, je suis en train de pleurer en plein Carrefour Bastos. Merci à toute la famille, les gars. Je suis ému. Je viens de sortir du boulot là. Je suis sorti pour aller dans un coin reculé pour essayer. Parce que je pleure, les gars. Ah, je viens de recevoir les mails de VSF par message et trucs. Alors que j'ai fait le mail à l'ambassade hier. On me dit de venir récupérer mes trucs. Donc, les gars. Aïe, 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 aïe. Ok, si vous écoutez sa voix et que vous voulez le tuer dans la sorcellerie au nom de Jésus, ça ne doit pas marcher. Voilà, ce que je. Oui, merci aussi à Ingo Marning, si c'est son vrai nom. Je sais que c'est son vrai profil, parce que je papote souvent avec elle. Mais je ne sais pas si c'est son vrai nom. Ingo Marning, bonjour. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question pour les années blanches. Chers amis, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair comme l'eau de roche.
Je pense que c'est qui m'a posé la question. Oui, salut, Fonga Martial. J'espère que tu es bien. Feu aussi sur ton visa, que ton visa cette semaine ou la semaine prochaine sorte rapidement au nom de Jésus. Bon, ça, c'est la parenthèse. Voilà. Ça, c'est Dacho Gignac Tchakos. Tonton Aristide, bonsoir. Je t'ai laissé un message à propos des justifications des années blanches. J'ai déjà fait toute une vidéo pour ça. Et retenez ceci et partagez au monde entier. Toutefois, que vous êtes ici sur ce mur, que vous voulez poursuivre vos études en Belgique, si vous êtes celui-là qu'on dit que payer pour une information, ça te dérange. Je commence à dire, on paye même quoi? Il dit même quoi là? C'est même quoi on paye? Sache que tu n'es pas au bon endroit. Je recommence. Si vous faites partie de ceux-là ou de celui-là, que lorsqu'on dit pour avoir une information, une bonne information, tu dois payer pour l'avoir. Et tu commences à dire, on paye quoi? Que c'est même quoi? Il y a tout ça sur le site. Sache que tu n'es pas au bon endroit. Donc, ici, je suis quelqu'un différent des autres. Et pas comment? Dans ce sens que d'autres vont vous dire c'est gratuit ou peut-être même ceux qui vont prendre vont plutôt vous appeler en IB. Viens à IB, viens à IB. Non, je ne t'appelle pas en IB. Je te dis ici tout de suite que pour me contacter, si tu veux faire la procédure pour les études en Belgique, il y a un programme qui n'est pas gratuit, c'est payant. Ce n'est pas un genre. Ce n'est pas gratuit. C'est payant. Ça coûte 80 euros. Maintenant, les questions là. Je vais les questions. Je vais ceci. Je vais justifier les années blanches, tout ça. C'est vrai, j'ai déjà fait toute une vidéo de plus d'une heure, en français comme en anglais, parce que je me souviens. Ce jour, c'était, comment on appelle, c'était Djibril. Du côté de Charleroi, que je dis bonjour s'il est connecté, qui m'avait aidé à traduire cette vidéo-là. Je vais vous faire voir un peu la vidéo-là. Hein. Je vais vous faire voir la vidéo-là. C'était une heure. Je vous ai montré comment justifier vos années blanches. Donc, tu peux aller là-bas, tu vois. Mais maintenant, toutefois, tout comme toi, vous venez là croyant que vous allez poser des questions et on va, je vais répondre. Cher ami, je ne réponds à aucune question, aucune. Donc, pour répondre, tu me payes. C'est ça dont il est question. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, faut pas croire que ici, c'est où on vient, on dit, je veux d'abord les questions avant de souscrire. Ne souscris pas. Attends là-bas. Ne souscris pas. Pas voir des charlatans qui vont pas te dire la vérité. Ils vont dire en IB. Comme je vois des charlatans pris en charge un mois. 2 semaines, ça sort. Un jour, ça sort. Il y a déjà 4 dans le groupe là. Ils ont pleuré. On les a donné les fausses fiches de paye. Et pour remercier ces enfants, on les a bloqués. Vous croyez que je vais venir ici, dire que je vais dénoncer celui-là, faire ci, quand vous partez prendre un engagement, ça vous risque et péril. C'est la même chose quand on fait un direct ici. Quelqu'un se prononce. Il dit, j'ai les prises en charge gratuites. J'ai les prises en charge, venez IB. Tu connais qui pour aller lui donner ton argent? Tu le connais où? Comment? Quand? Même pas de garantie. Tu portes ton argent, 1 million, 1 500 euros. Je n'ai rien contre l'argent parce que aussi, je ne fais pas gratuit. Hein? Je ne fais pas gratuit. Ne croyez pas que c'est la charité que je fais ici. Je rends un service. Et qui dit service, ça veut dire c'est rémunéré, c'est payant. Vous partez, vous donnez. Et après, quand on vous frappe, vous pleurez. Ils sont 4 là. Voilà, pour répondre à ta question, comment justifier les années blanches. Je vais te renvoyer à une vidéo où j'ai fait plus de 1 heure. Oh là là, c'est où j'ai fait plus de 1 heure de temps. En français, en anglais. Voici la vidéo. Je vais aller sur YouTube là pour voir la vidéo. Je vais aller là-dedans. Mais toutefois, quand vous dites question, il n'y a pas de question et c'est Par payant. conséquent, Voilà. je n'ai pas une seconde pour me confier, pour me consacrer aux humains. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous êtes dans le groupe, vous me donnez le nom de l'école qui a refusé cela. Si à jamais vous avez travaillé et que vous avez fourni cette entreprise. Ici, Non, j'accompagne non, les non, jeunes non, non, étudiants non, étrangers africains qui aimeraient poursuivre non. légalement. Voici la Par vidéo. conséquent,
construire. Je vais vous faire voir la vidéo que j'ai faite. Et c'était pour montrer comment justifier vos années blanches. Okay? Ne craignez pas. Ne craignez pas. Vous appliquez, il y a un résultat. Tout comme pour le. J'ai fait 3 ou 4 vidéos cet an. La première vidéo, comment obtenir votre carte de séjour. Tu n'as besoin de personne. Tu appliques. Tu n'as pas. Je te rembourse tes mégas. Comment faire pour entrer, pour valider l'adresse? C'est quoi l'adresse? J'ai fait toute une vidéo. Tu appliques ça, tu n'as pas l'adresse, je te rembourse. Il y a encore quelques vidéos que j'ai fait. Comment obtenir une puce Leica? Dès que tu arrives, tu appliques, tu fais le processus dont je t'ai montré. Tu n'as pas la puce, je te rembourse. Donc, ne vous dérangez pas. Donc, la vidéo concernant, oui, bonjour à celui qui me salue. Après, je vais vous dire bonjour parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on les appelle dans les directs. Après, vous me dites bon. Après, je vais vous dire individuellement bonjour. Mais pardonnez-moi. Alors, la vidéo, si par exemple, là, comment justifier vos années blanches? Écoutez, tu vois cette vidéo et tu as toutes les réponses à ta solution. Hein? Il est C'était 30 secondes celle-ci. pour me consacrer aux rumeurs. If you have any second, you take Et c'est la raison pour laquelle and that's why je vous dis, si vous êtes dans le groupe, you tell me why vous you me need donnez le nom de l'école qui a refusé just cela give si him à the jamais name. vous avez travaillé et que vous avez fourni cette attestation de travail. Just give him the name of the school that refused the application for. J'arrête la vidéo. You stop anything. Comme pour vous dire, So to tell you c'est that ce qu'il faut. that's what you need Si vous avez travaillé. If you had the work after the school. Voilà. Ça, c'était donc la première façon de justifier par l'attestation de travail. That was the first step to justify how did the agreement for after the school meet. Voilà. Deuxième façon donc de justifier qu'on a déjà énumérée. Second step to justify those here. Vous aviez fait le bac BTS licence master. You did the BTS, HNG, master degree. Peut-être pour des raisons économiques. Maybe for economical reasons, Financière. financial reasons. Vous êtes allé faire une formation You want to do the formation quelque part somewhere dans votre domaine ou dans un autre domaine. in your domain or in another domain, Chose normale. which is very normal. Parce que les formations, le plus souvent, c'est pour avoir une attestation de formation pour pouvoir travailler. Because doing the formation to have an attestation of formation to apply to work for any work. Tu transpires, fiston, je prends quelque chose où tu te suis. Faut te décontracter. Décontracte-toi, petit. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, selon certains, là, ici. On dit seulement Amen. L'église pas Voilà. On continue. Voilà. Bon, maintenant. Alors, pour l'attestation de formation. Now for attestation of formation. Si déjà tu es confronté à ce problème, Let's start, you are faced with this problem. tu vas dans l'établissement ou l'institut où tu as fait cette formation. You went to an institute or any enterprise where you did that Tu demandes à ton encadreur ou à ton employeur You ask it to your employee qu'il t'établit that he give you that cette attestation de formation that attestation of en formation. lui disant que ça va vous permettre de justifier vos années creuses. Bon, bref, celui-là qui a donc posé la question, comment justifier les années creuses? J'ai fait toute une vidéo là-bas, il faut aller regarder. Maintenant, vous qui venez au numéro 0032 466 324 233, ça va être clair. OK? Pour que vous ne soyez pas surpris. Je ne venais pas là pour poser des questions. Non, je ne vais pas répondre. Vous venez là parce que vous voulez savoir comment avoir accès au programme en formation vidéo qui coûte 80 euros, qui est payant. C'est-à-dire, tu sors ton argent dans la poche, tu payes. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un job. Donc, si tu aimes le job, sache que ici, ce n'est pas le job. On me paye. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas qui dit que c'est son Facebook ici, parce qu'il y a des gens souvent quand tu fais un truc. Bon, le marabout là, je vais juste le bloquer. C'est tout. Voilà. Donc, c'est donc pour vous dire, j'ai ouvert ce truc, je vais couper bientôt pour dire, félicitations, vous êtes tellement nombreux, je ne peux plus publier individuellement. Donc, beaucoup de courage, beaucoup, c'est rien. À part, vos visas prennent effet à partir du 15 août. Vous serez nombreux et voilà. Je vais vous consacrer quelques minutes et vous allez partager votre expérience. Voilà. Et entre-temps,
Dès que vous aviez obtenu votre visa, la première des choses, pensez à l'adresse. Je vais publier une vidéo ce soir avant 21h ou 22h. Bref, ce soir, parce que ce n'est pas facile. Je ne peux pas maintenir le rythme puisque voilà. Je n'ai pas un monteur. Moi-même, je fais la vidéo. Je m'assois, je monte. Je m'assois, je publie. Chers amis, il faut quelqu'un qui a une chaîne YouTube ou qui fait les vidéos. C'est cette personne qui vous dira le travail qu'il y a derrière. Et on ne travaille pas seul, on travaille avec toute une équipe. Mais pour l'instant, tous les gens que tu t'entoures parfois avec eux, ils te parlent le français. Parfois, quand tu leur donnes ton mot de passe, comme l'autre l'a fait, eux veulent que supprimer ta chaîne. Parfois même, tu donnes ton truc Facebook pour que quelqu'un publie, même comme tu le mets administrateur. Le jour, peut-être, tu te perds, tu donnes vraiment ton mot de passe. Cher ami, Facebook t'envoie que la notification pour dire est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous voulez réellement supprimer votre chaîne? Donc, tu ne comprends pas pourquoi ceux-là qui sont tes compatriotes, qui vont t'encourager, ont un cœur si noir. Voilà, on ne va pas changer le cœur de quelqu'un, on doit non plus juger. Mais c'est donc pour vous dire, ce travail que je fais maintenant, c'est un peu seul. Il y a ce que je sais que je ne peux plus déléguer. Voilà, donc. Félicitations à vous. Et avant de passer, avant d'aller prendre le billet d'avion, pensez à l'adresse. Donc, ce soir encore, je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo concernant la procédure, comment vous allez avoir votre carte bancaire. Parce qu'une fois que vous allez arriver ici, vous n'allez plus utiliser. Ici, tu ne peux pas agresser quelqu'un, lui prendre beaucoup de liquidités. Néanmoins, si c'est un vendeur de drogue, un trafiquant, etc. Parce que même à la maison, il faut une certaine somme que tu ne dois pas excéder. Donc, si la police, par exemple, toque, entre et me voit avec plus de 3 000 euros, je vais justifier ça. Parce qu'en principe, je ne dois pas avoir cette somme-là. Vous voyez? Donc, du coup, quand vous allez donc finir, vous ne croyez pas qu'on marche avec de l'argent à la poche comme on le fait. On marche avec de l'argent, mais il y a une certaine somme qu'on n'excède pas. Je vais donc vous montrer comment entrer en possession de votre carte de séjour. Pardon, de votre carte bancaire. C'est très facile, sans toutefois payer un franc. Hein? Même les virements instantanés. C'est vrai, peut-être dans le programme, quand je vais actualiser le programme en formation vidéo payant, je vais faire des petites vidéos, je vais enregistrer l'écran. Comment, par exemple, faire un virement, comment aller dans un distributeur. Tout ça, c'est très facile. Hein? Ce n'est pas la magie. En Afrique, là-bas, ce n'est pas, comme on dit, trop développé. Avoir des cartes bancaires, aller dans un distributeur et tirer de l'argent. Mais ici, même un enfant de 2 ans, 3 ans, d'abord, quand il a 1 an, là, tu lui donnes la tablette. Il est là dans les dessins animés, les dessins éducatifs. Quand il a parfois deux, déjà à 3 mois, il part à l'école. 3 mois. On l'amène déjà à la crèche. Oh, chez nous, là-bas, si tu n'as pas 1 an, 2 ans, on ne t'envoie pas à l'école. À 3 mois, il part déjà à la crèche. À 1, 2 mois, il a déjà ses tablettes où il voit ses dessins animés qui sont parfois spécialement conçus pour les enfants. À 2, 3 ans, là, il a un truc de compte bancaire où il peut lui-même aller retirer de l'argent. Tu crois que c'est la magie? Non, ce n'est pas la magie. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pensez à votre adresse quand vous arrivez, puisque sans cela, vous n'allez pas obtenir votre carte de séjour et que personne ne vous trompe. Hein. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas un mystère, voyager. Ce n'est pas donné aux bobos. Ce n'est pas réservé aux bobos. Aux bobos, ça veut dire les gens riches. Ce n'est pas réservé, je ne sais pas à qui. Comment on vous a fait croire? Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire, qui n'est donc pas la vérité. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ferai toute une vidéo pour et je vais vous dire quoi faire. Ceci étant, je vous souhaite une bonne journée et félicitations encore à vous qui avoir obtenu dans ce visa-là. Félicitations à vous. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.